Président de branche parlement ak pizè lòt kolèg yo mete yon bout jounen mèkredi nan hotel Montana nan seri chita tande yo tap realize depi lendi pase sou sitiyasyon politik peyi a sitou sou kriz ki tap li byen avan eleksyon yo. Pou denye jounen yo te pataje lide ak pizè reprezantan kominote enternasyonal la. Pami yo, chaje dafè peyi la France pa Boisit Dominique Delpuech, minis konseye ambasade ameriken nan Marc Desjardins, reprezantan spesyal OEA an Haiti Frédéric Bolduc, konseye nan ambasade Canada Tristan Landry, chargé d'affaires ambassade Brésil la Liliane Duarte, ambassadeur dominicain Ruben Tillier, ambassadeur chilien Raoul Fernandez, ak chef opération Union européenne nan Joao de Santana. Dans déclaration au TFN dans la presse, après rencontre là, chargé d'affaires français ak représentant spécial OEA, te redit encore j'ai ou ta souhaité constitution à respecter pour bon gens élection ka réaliser dans pays a. Yon après l'autre, Dominique Delpuech ak Frédéric Bolduc nan micro Rodrigue Lalanne ak Jean-Joseph Nono. Je crois que ce qui s'est déroulé est constructif. Ça nous a évidemment permis de rappeler notre souhait à tous de voir dans les meilleurs délais se dérouler donc les élections en Haïti, dans les meilleurs délais. Ça nous a permis de souligner notre attachement dans cette période cruciale, à un moment où il faut signaler un événement positif, c'est la transmission du projet de loi électorale donc aux parlementaires. Ça nous a permis de rappeler que nous sommes bien entendu des fervents supporters de toute dynamique constructive pour aller vers ce rendez-vous espéré des élections. J'ose la formule, nous sommes peut-être sur la bonne voie pour, avant que les parlementaires partent en vacances, nous ayons enfin un outil. Alors d'abord, j'aimerais vous dire que l'Organisation des États américains considère que la préservation des institutions et leur renforcement sont des conditions sine qua non à la stabilité du pays et au maintien des acquis démocratiques. Les autorités de l'État haïtien ont la responsabilité de mettre en œuvre tout ce qui est dans leur pouvoir pour la tenue des prochaines élections. Dans ce sens, nous encourageons tous les acteurs nationaux concernés à travailler ensemble pour la stabilité et le renforcement démocratique. L'OEA reste entièrement prête à supporter ces efforts en offrant le soutien nécessaire et l'assistance technique requise, et ce, en étroite collaboration, bien sûr, avec les institutions haïtiennes et avec la communauté internationale. L'OEA est également disposée, si telle demande lui était soumise, à mettre sur pied une mission d'observation électorale.